Bonjour à tous et bienvenue dans cette annonce ASMR. Cette vidéo fait la suite des vidéos Mauvais Choix et L'Accomplissement et parle de streaming. Il est donc fortement conseillé de revoir ces deux vidéos pour bien appréhender la suite de celle-ci. Bon visionnage! D'hiver maintenant, nous apprenons qu'une invasion de zombies non planifiée a été ajoutée dans la récente websérie de The Ravager Studio. Tout ceci laisse à penser que les vidéos ont été retravaillées indépendamment de la volonté de son créateur, ce qui est pour ainsi dire une première mondiale coïncidant avec les quelques bugs informatiques liés à l'intelligence artificielle récemment développée. Dans la continuité de ce développement qui paraît échapper au contrôle des modérateurs, le gouvernement assure qu'il va se pencher sur la question dans les jours qui suivent lors d'un conseil des ministres exceptionnel. Comme annoncé au début de l'émission, voici notre invité du jour. Bon, les gars, la réunion d'aujourd'hui à la base, c'est pour parler du planning des prochaines vidéos. Si personne n'a des idées, on va pouvoir passer au sujet qui nous procure un certain mal de crâne, surtout dans les prochaines semaines à venir si c'est pas résolu rapidement. Je sais pas ce que vous allez en penser, j'espère que ça va vous plaire. Des tutos Minecraft. Non. Non. Oh, c'est pas drôle. Et pourquoi pas faire plus de FBA? C'est une bonne idée en effet. Après tout, les audiences montrent clairement que le concept te plaît. Hein. Il y a également le fait de savoir si on fait une deuxième soirée de trop. Bordel, mais qu'est-ce que t'as en ce moment à vouloir à tout prix me foutre une suite à la soirée de trop? Parce que c'est cool. Cette vidéo est nulle. Bon. On verra ça le moment venu, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Moi, je pensais au set comme au moment de la vidéo. On pourrait faire une saison 2, peut-être? Ouais, pourquoi pas. Après tout, c'est aussi un format qui plaît, puis pour tout te dire, la saison 2 est déjà en cours d'écriture, mais je sais toujours pas quand elle sortira. Hein. Bon, pour le reste, on se base sur le planning initial, d'accord? Ouais, ok. Bon. Maintenant, on va parler du sujet qui fait mal. C'est vrai que c'est toujours soudain dans les vidéos, c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, ça a une toute autre échelle, on parle d'une invasion de zombies quand même. Bah, d'autant plus qu'il y a certaines scènes, on se souvient même pas de les avoir tournées, et pourtant... Vous êtes sûr que c'est pas un coup de l'inconnu? Bah, d'après les rapports, c'est les codes sources des vidéos qui ont été directement modifiés. Donc, je pense pas, mais on sait jamais. Mais justement, d'habitude, c'est pas son modus operandi. Hein? Mode opératoire. C'est du japonais. Ah! Non, d'habitude, il laisse pas de traces. Je pense. Donc, je sais pas. Après, hormis les zombies, y'a rien d'autre qui a été modifié dans la vidéo. Bah si, Mackenzie, qu'elle a refait surface comme ça, c'est louche. Bah oui, enfin t'avais pas prévu ça je crois, non? Non, j'avais pas prévu ça, enfin moi j'ai pas écrit ça en tout cas. Bah oui, c'est n'importe bizarre. Quoi non. Tu peux regarder. Ça c'est moi. Comment ça? Comme toi quoi? C'est moi qui ai amené Mackenzie dans streaming. Quoi? Mais pourquoi? La visite de l'inconnu l'année dernière m'a bien fait réfléchir. On ne peut pas subir ce genre d'attaque sans y répondre. C'est pour ça que j'ai introduit Mackenzie dans streaming. Si on réunit tous nos personnages et qu'on arrive à les faire combattre ensemble contre l'inconnu, alors ce pourrait être notre plus belle victoire. Les deux prochains moyens-métrages vont être déterminants pour la suite de notre univers. Le sort même de notre création dépend de cette ultime bataille. Les amis,
Je vous présente le dernier rempart, la riposte parfaite à l'opération paradoxe de l'inconnu. J'ai l'honneur de vous présenter le projet Rédemption.